Good afternoon, everybody. Let me introduce myself. I am Teresa Cruz e Silva from Mozambique. Today, we have four speakers. I'm going to introduce them because we have problems with time now. So we will have Abdulrahman Diaw, that is going to present a paper that was made in conjunction with Ana Sissoko. She is not here, and both are graduated from San Francisco State University. We have also Demba Moussa Dembele, that is a researcher at Arcade Senegal, and Narcisi Abdalali from Morocco, Casablanca, and Louis Dominique Biacolo Como from ENS Cameroon, is an African philosopher. Let's start with Abdulrahman Diaw. If you can make 10 minutes, please. If not, we will manage. Good afternoon, everybody. My name is Abdulrahman Diaw, and I'm a student at San Francisco State University. I just graduated 2 weeks ago. So thank you. Thank you. So I don't think I could have received any better gift than actually coming here and presenting in front of most of these scholars and some presidents here. So the paper I wrote has to do with free trade. I talked about free trade, and the question that I asked was, are we witnessing a crisis of globalization, or are we just seeing the unwanted consequences of neoliberalism? So as everybody knows, globalization with free trade at the center did not deliver for the African countries. Instead of providing economic development, human development, or even the end of poverty as they promised, globalization coincided with a rising inequality and extreme poverty. This is not surprising, however, as globalization has been synonymous with neoliberalism, this economic ideology that was forced upon African nations and its global certain counterparts through institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund, the WTO, without forgetting the crucial role of the United States. Some of the main ideas that this political economy idea promote has to do with free trade, trade liberalization, privatization of state-owned companies, but most importantly, the reduction of the state in the economy as the main route to economic development. The second reason, which I believe was not mentioned a lot by scholars, and that constitute one of the main arguments of this paper, is that free trade at its inception was not meant to benefit Global South countries. Therefore, the expectations that it would provide all this promise is a little bit, we shouldn't expect that coming from them, because it was not meant to benefit us. So I think what we need to do is there's a need to return to the developmental state model that was applied by some of the East Asian countries, but at the same time, we need to acknowledge that there's a difference in the circumstances. To talk about the literature on globalization, neoliberalism, and economic development, Robert Waite states that since the 1980s, it has been commonplace to say that globalization has curbed the policy space of all states. To claim that there is really only one broadly effective institutional and policy recipe for fast economic growth, known as the Washington Consensus, but that we can also call the Western Consensus. Some of the main policies of the consensus has been already mentioned, trade liberalization, the promotion of export using the comparative advantage. However, these policies have also led to the minimization of the role of the state, which proponents of neoliberalism argue that it is an impediment to economic growth and the individual liberty that is necessary to achieve that growth. For that reason, Milton Friedman, one of the most outspoken advocates of neoliberalism, say that the state and the centralized economic control is likely to endanger the individual freedom and liberty. And when we put that into the economic context, what he's referring by individual freedom and liberty is the free trade, which is the ability of people to engage in the exchange of goods without government interference. Within the African context, the narrative about the role of the state has been the same. According to neoliberal economists, the factors that impede economic growth in this continent has to do with domestic policies.
Kwadwo Konadu Agyeman, an associate professor in the Department of Geography and Planning at the University of Akron in Ohio, provides the most common domestic policies that economic neoliberals argue are an impediment to economic development. Those are include but are not limited to an overbloated public spending service, exchange control, state ownership of manufacturing enterprise, and investment in social welfare. So the same proponent have argued that sub-Saharan Africa has been actually the perfect example of states with bad domestic policies, are they calling. Therefore, they argue that in order to achieve economic growth, that does not necessarily translate into development or even human development, the neoliberals strongly recommend for third world countries to integrate the global economy. And if they liberalize and integrate the international trade, they could catch up with all the developed countries given all the opportunities available in the current global value chain since the 1990s. Jeffrey Sachs and Andrew Warner further this argument by affirming that countries that engage in export of their comparative advantage grow more than countries that still use protectionism. When it comes to the question as to did free trade work for African countries, most of the scholars agree that free trade did not work. In the Ivory Coast, for example, after the reduction of tariff by 40%, the chemical, textile, shoe, and automobile industry virtually collapsed. While in Zimbabwe, after the trade liberalization in 1990, unemployment rate jumped from 10% to 20%. Even the United Nations Food and Agriculture Organization and many other non-governmental organizations have specifically argued that agricultural trade liberalization has only benefited large export-oriented agricultural enterprise at the expense of small farmers. Therefore, there is exacerbation of rural poverty and unemployment and an acceleration of migration from rural areas to the cities. As of 2013, 82% of the extremely poor population lived in rural areas in sub-Saharan Africa, and 76% of that same group worked in agriculture. When we look at our neighbor, our counterparts in Latin America and the Caribbean, 53% of the extremely poor people over there also lived in rural areas, and 68% of those work in agriculture. So therefore, we can see how trade liberalization and agriculture affect a large amount of people, both in Africa but also in Latin America. I think, therefore, one more important question that we need to ask is that was free trade meant to benefit African countries or global South countries at its inception? And then I don't think it was meant to benefit them because of many reasons. One of the things, however, that made us believe that it can work has to do with the strong and dominant narrative around the supposed economic success of the Great Britain using free trade. As I mentioned earlier, I'm using Jeff Chang's Real History of Globalization, where he states, the first episode of globalization was made possible in large part by military might rather than the market forces. Apart from Britain itself, the practitioners of free trade during this period were mostly weaker countries that had been forced into rather than had voluntarily adopted as a result of colonial rule or unequal treaties. Therefore, it is necessary to reiterate the fact that weaker countries were forced into this system and deprived of their rights to pursue economic development through protectionist policies. The implications are significant as it shows the importance of such policies in achieving economic development, but it also shows a deliberate attempt from the Great Britain to impede weaker countries from achieving development by imposing this economic system on them. Per capita income in Asia and Africa, when these were actually implemented, grew at less than 1% between 1870 and 1913. Simultaneously, in Latin America, in countries that actually impose high tariff, they grew as fast as the United States during that period. Andrew Gundefrank takes this argument even further by stating that developing countries, or the satellites as he called them, such as Argentina, Chile, Mexico, and Brazil, experienced their most important industrial development during the period of weakest ties with the metropolis or the global south. If we fast forward to the 1980s, we also see a similar pattern. We have the United States that became hegemon and that imposed through international financial institution the trade liberalization on global south countries that needed loans after the debt crisis. During this period, between 1980 to 2000, per capita income grew by 15% when it grew by 36% between 1960 and 1980.
The main lesson then that we learned from this comparison of these two lies in the fact that when free trade was implemented, it was deliberately imposed on weaker, today's most developing nation, to impede their growth. Therefore, the result of today's program with trade liberalization at their center aligned with those of the period when it was created and imposed by Great Britain. Another factor that is crucial in understanding why free trade was not meant to benefit developing nation was emphasized again by Jeff Chang. He declares, while they were imposing free trade on weaker nations through colonialism and unequal treaties, richer countries maintain rather high tariffs, especially industrial tariff. This is to naturally protect themselves against competition while ensuring that their access to natural resources and having the monopoly on manufacturing. For weaker nation, the main implication is that their role was already defined at the beginning of what we call globalization today, that they would be the natural resource providers. We see then for that the global south was systematically disadvantaged at the beginning of this phenomenon that we like to call globalization. And today, again, as the president earlier mentioned and many other scholars mentioned, the structure of free trade remains unchanged, and the agricultural industry is the perfect example. The representative from Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean walked out of the fifth ministerial meeting of the WTO and refused to enter any negotiation with the Global North, as they were providing up to $300 billion worth of annual subsidies to farmers that were way wealthier than African farmers here. So then the disadvantage that we see at the beginning with Great Britain actually carried on and proves again that free trade was nothing but a tool to impede economic development for weaker nation. Finally, the last factor to prove this point has to do with the famous theory of comparative advantage that we also talk about a lot, and that is also central to free trade. This idea was promoted by David Ricardo, and his purpose was to explain the benefit that countries and the world economy would gain when there was specialization in the production of goods and service. This theory, together with free trade, became a canonical touchstone for promoting economic growth in developing countries. One of Ricardo's arguments was that if all states involved in the international trade was specializing, that would benefit everybody. However, when we take a closer look at the example that he provided of the cloth and wine trade between England and Portugal, there's an aspect that he did not talk about a lot. That means England actually benefited the most from that trade. And the reason has to do with cloth in England was protected by the mercantilist state, while in Portugal, there was an agrarian state that had no other choice but accept to trade wine instead of what they wanted to trade. So they didn't have no say in that. Therefore, England has a trade surplus, but Portugal did not pull out very quick of that free trade argument because they still had Brazil as a colony. So the gold that they were getting from Brazil was used, again, to stay in that program, to stay in that free trade, and not fall into debt quicker. So to put this into the current context again, the Global North is still subsidizing its industry and engaged in unequal trade with the Global South, because most of our nation were told, if not forced, to specialize in some commodities. We do not possess no colonies like Portugal had in the past. So it is true, important that we realize if it wasn't for that, we probably would have fell into debt a little bit earlier than then. In addition to that, the commodities that we were told to specialize in have not risen in prices. Coffee, for example, the real average price between 1980 and 2008 decreased by 63%, 65% for cocoa, and 57% for cotton. Therefore, comparative advantage resulted only in debt for the third world country, and we can make us believe that initially how the way it was designed, it was not meant to benefit countries here. So I think this section kind of has proven that, again, free trade was not meant to benefit us. Rather, it was a tool that was used by Global North country. And then I think, therefore, the solution is for African state, we need to go back to the developmental state model, and also looking at the example of all the few ex-colonies that have achieved economic development using this model. But at the same time, we must acknowledge that some of those conditions under which they have achieved are different from our current condition. The return to the developmental state is necessary, if not inevitable, to do that intervention that President was talking about earlier in globalization, but to also attain economic and human development.
It is worth repeating that no country has achieved economic development without industrialization, and no country has ever industrialized without a role of the state in some combination of guiding, protecting, subsidizing that industrialization. Ex-colonized countries such as South Korea or more recently China have experienced significant growth and industrialization by following policies almost opposite to the standard neoliberal policy that we see today. Taiwan continuously grew at 6% and more for 32 years, South Korea for 29 years, and more recently China for 30 years. In the meantime, East Asian countries saw poverty decrease from 60% in 1990 to almost 3% in 2013. For state intervention, however, to work and provide the benefits, there's a need to pay attention to the type of state because it will heavily influence the type of intervention. Neo-patrimonial state, characterized by poor bureaucracies and public officers that tend to treat public resources as their personal patrimonies, will most likely succeed in achieving economic development. The type of states necessary to achieve this goal are the cohesive one, where political leaders agree on the plan, on the path that they need to follow to achieve that. Before I talk about three main policies that that Robert Wade actually recommended, I want to say that first and foremost, there's a need to heavily invest in education, in health, access to water, and basic services. Because without that, there's no way we can have a local workforce that would work in those enterprises that is owned by the state. Then comes the following. At the institutional level, the central bank should not be independent of the top political leadership. And the rest of the banking sectors should include a large presence of state-owned banks that are carefully designed to serve local industries and firms. At the same time, the state should dispose of embedded autonomy that would allow it to have a close relationship with the capitalists, but at the same time be able to discipline them. At the policy level, the state should use its power to push production into sectors and products with increasing return, while keeping a large measure of ownership in national hands and be able to replace imports through domestic production. Also, in order to keep local industries accountable, the state must add performance conditions to receive state assistance and make sure that their objectives align. Finally, at the political level, which we briefly mentioned above, there is a need to prioritize high and sustainable growth in which the role of the state is to coordinate this effort and promote some sectors ahead of others. In addition to many other policies, the East Asians were able to achieve rapid and sustained economic growth. However, there was one main difference that we see from that time to this time, and it has to do with this neoliberal institution. When targeting subsidies or state-owned bank and trade protection and price control were still accepted at the time this country applied them. However, today, I believe the main challenge that we have is that neoliberalism is in the way of us getting into that. Therefore, our political leaders need to address that, and then hopefully the youth can also provide, and scholars can provide some insight into that. In conclusion, globalization and free trade, as we've seen in this paper, has not delivered for African nation. Income inequality, falling per capita income, and reduction of the role of the state are some of the main consequences. The main reason for that has been the rise of neoliberalism that accompanied globalization and penetrated the continent. But most importantly, the ideas that were promoted by neoliberalism when looking at their creation was not meant to benefit African nation. Free trade and comparative advantage are examples of that. Therefore, the main argument is that we return to the developmental state, but this will not be possible if we don't tackle the challenge of neoliberalism and its dominance. Thank you. Thank you very much, Abdulrahman Diaw. The next speaker is Demba Moussa Dembele, Crise de la mondialisation et une chasse pour le développement de l'Afrique. Merci, madame. Une autre langue coloniale pour changer, sinon Senghor risque de se retourner dans sa tombe. Alors, merci, madame. Mon papier tourne autour du concept de déconnexion du professeur Samir Amin. Donc c'est un hommage à lui. Le destin a voulu malheureusement qu'il ne soit pas avec nous. Mais quand j'ai choisi ce thème, je pensais qu'il serait là. Paix à son âme. Alors, crise de la mondialisation
une chance pour le développement de l'Afrique? C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi crise de la mondialisation? Je crois qu'il y a juste un seul exemple que je peux montrer, que je peux citer, pour montrer qu'aujourd'hui, le capitalisme, parce que crise de la mondialisation, pour moi, c'est la crise du capitalisme, que le capitalisme est aujourd'hui a un problème de légitimité, parce qu'il ne représente que les intérêts de 1%. Et je sais que vous suivez l'actualité, Oxfam, en 2007, disait que le 1% le plus riche avait accaparé 82% des richesses créées en 2017. Et que pendant cette même année 2017, 8 personnes les plus riches avaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, c'est-à-dire 3,5 milliards de personnes, dont 70% se trouvent dans les pays du Sud. Je pense que cela, tout simplement, suffit pour discréditer la mondialisation. Le capitalisme, comme disait Samir Amin, est dans sa phase terminale. Certains peuvent en sourire, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, un système qui a perdu toute légitimité, je pense que le professeur Samir Amin avait parfaitement raison. Et c'est pourquoi au milieu, déjà, des années 80, au moment où les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI étaient en train de détruire les économies africaines et d'autres économies du Sud, le professeur Samir Amin a eu cette audace intellectuelle dont il a le secret pour dire non, il faut sortir du système, la déconnexion pour sortir du système mondial. Et Samir Amin, peut-être pour comprendre cela, pour certains jeunes qui ne connaissent pas Samir Amin, c'est que son analyse du capitalisme part des principes marxistes. C'était un marxiste au bout des ongles jusqu'à son dernier souffle. Et donc, il analysait le capitalisme d'un point de vue marxiste. Et pour lui, certains, je crois, en tout cas, peut-être les moins jeunes et les plus jeunes, ne savent pas ce que c'est que la théorie du centre et de la périphérie. C'est la thèse fondamentale du professeur Samir Amin. Le capitalisme est un seul et unique système, avec le centre, les pays les plus développés, et les périphéries, les pays du Sud, notamment l'Afrique. Et ce système se reproduit par le pillage permanent des ressources du Sud. Alors, quand il a parlé de la déconnexion, Samir Amin a dit ceci, et je le cite, « Je rappelle que je n'ai jamais entendu par déconnexion un repli autarcique, mais une inversion stratégique dans la vision des rapports internes et externes en réponse aux exigences incontournables d'un développement autocentré. » Fin de citation. Donc, pour Samir Amin, cette déconnexion doit permettre aux pays du Sud de contrôler leur économie et de pouvoir mettre en place des programmes autonomes, de pouvoir recouvrer la souveraineté sur leur politique. Et cela passe pour lui par le contrôle de deux variables clés. C'est le commerce extérieur et c'est les flux du capitaux. On sait comment ces deux variables sont en train de dévaster l'Afrique. Le président Mbeki a dit ça ce matin. Jomo, hier, nous a donné des statistiques éloquentes sur comment le commerce à l'ère néolibérale est en train de détruire l'Afrique. Mon ami Yash Tandon, que beaucoup d'entre vous connaissent, a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le commerce et la guerre », c'est-à-dire comment
le Nord utilise le commerce pour dévasser les pays du Sud. Donc, Samir Amin dit que cette déconnexion, elle est indispensable si on veut avoir des projets souverains et surtout passer à l'industrialisation, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans industrialisation. Et c'est l'un des talons d'Achille de l'Afrique qui continue à vendre ses matières premières et malheureusement à reproduire le développement du sous-développement à travers l'échange inégal dont Samir Amin et d'autres avaient parlé dans les années 70-80 et qui aujourd'hui, je crois, tout le monde constate avec beaucoup d'acuité. Quand on voit surtout les guerres commerciales qui se passent entre grandes puissances et la polarisation outrancière du système qui accumule la pauvreté pour des milliards de personnes à un pôle et des richesses pour une infime minorité, peut-être moins d'un pour cent de la population mondiale. Yash Tandon, qui est un ami de Samir Amin, professeur Yash Tandon, qui aurait dû être là, a également suivi les traces de Samir Amin. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le Sud qu'on parle de déconnexion. En Europe, il y a le débat sur la démondialisation, notamment en France. C'est un autre terme pour parler de déconnexion. Parce que le système, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pays du Sud qui en souffrent, mais les pays développés. Et le néofasciste qui est à la Maison Blanche, Donald Trump, je crois que c'est aussi une sorte de défiance par rapport à la mondialisation telle qu'elle se pratique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Donald Trump ne veut plus respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et donc est en train de frapper non seulement ses ennemis ou potentiels ennemis comme la Chine, mais également ses propres amis comme l'Union européenne et même le Japon, et ainsi de suite. Donc, pour résumer l'idée de Samir Amin, la déconnexion permet d'avoir le contrôle sur deux variables clés, commerce extérieur et flux de capitaux. Et cela permet, donc, donne la possibilité d'élaborer des projets souverains, auto-centrés, qui vont déboucher sur l'industrialisation. Alors, aujourd'hui en Afrique, quels sont les exemples de déconnexion? J'ai choisi l'intégration africaine au niveau sous-régional et continental. Dans cette sous-région, il y a le combat contre la servitude monétaire. Et les pays de la CEDEAO se battent pour avoir une monnaie commune à l'horizon 2020, ou peut-être même un peu plus. Mais cette monnaie commune donnerait probablement beaucoup plus de contrôle sur leurs économies et leur permettrait de mettre en place des programmes d'industrialisation dans l'intérêt de leur peuple. Il y a la ZELAC, la zone de libre-échange, qui a été signée au mois de mars dernier. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, que vous connaissez. Mais également les projets monétaires de l'Union africaine, la Banque centrale africaine, projet auquel adhèrent plus d'une quarantaine de banques centrales et dont le secrétariat se trouve ici, à Dakar, au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et évidemment et aussi le Fonds monétaire africain. Et je crois que c'est ça, ces deux projets vont compléter le programme de la ZELAC. La coopération Sud-Sud, on a beaucoup parlé de relations entre la Chine et l'Afrique. Aujourd'hui, la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, peut-être dans les débats. Alors, l'industrialisation est un impératif. Et tous les Africains, en tout cas, qui parlent de développer le continent, disent qu'on doit passer par l'industrialisation. Et la CEA, la Commission économique des Nations Unies, sous Carlos Lopez, les derniers rapports 2014, 2015, 2016 ont tous mis l'accent sur la nécessité
de cette industrialisation. Et l'agenda 2063 également, le professeur Ha Jun Chung, qui a donné une conférence, la conférence du professeur Adebayo Adedeji, qui nous a quittés également au mois d'avril dernier et qui avait marqué de son empreinte la Commission économique des Nations Unies. Et l'état développementiste, tout à l'heure, Diaw parlait de la nécessité de l'état développementiste, effectivement, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans un état. Et la CNUSED en avait parlé, et le professeur Tandika, déjà en 2001, avait fait un papier remarquable sur cela, publié dans le Cambridge Journal of Economics, et dans lequel il disait que l'Afrique a connu des états développementistes qui avaient des performances égales ou même supérieures à celles des pays qu'on donne en exemple en Asie. Et le rapport de la CEA de 2014 dit ceci, je le cite, « Le temps est maintenant venu de reconnaître à nouveau que le soutien des États est capital pour surmonter les défaillances du marché et stimuler l'industrialisation. » Et déjà, en 2011, un autre rapport de la CEA disait ceci, le consensus qui se dégage, je cite, à ce sujet, c'est-à-dire l'intervention de l'État, c'est que l'État développementiste est essentiel au processus de croissance économique accélérée et de transformation sociale d'un pays, quel qu'il soit. Fin de citation. Voilà. Alors, en conclusion, je dis que la crise de la mondialisation donne à l'Afrique une chance pour repenser son développement et son insertion dans le système mondial. Et la vision de l'Union africaine, l'agenda 2063, dit ceci. Construire une Afrique intégrée, prospère et en paix. Une Afrique dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Je crois que nous tous ici sommes d'accord avec cette citation. Mais pour cela, pour relever ce défi historique, et ce sera mon dernier mot, il faudra, comme disait Samir Amin, je reviens à lui, de l'audace. Et encore de l'audace, je le cite, tant dans la pensée que dans l'action, de la part des dirigeants, de la part des intellectuels et de la part de toutes les forces vives du continent. C'est un défi. Sommes-nous capables de le relever? C'est ça la question. Merci. Thank you very much. I would like to invite the next speaker, Nassiri Abdel Ali, with the title Les pays de l'Afrique dans la globalisation, développement économique. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Donc, mon intervention, j'ai préparé une intervention qui dépasse les 15 minutes, mais comme on a limité le temps à 10 minutes, je vais un petit peu résumer les choses. Mon intervention, ça porte sur les questions que pose la mondialisation pour les pays africains, pour leur processus de développement. Et je vais prendre comme exemple le cas d'un pays africain qui est le Maroc. Nous partons pour cela du constat que la mondialisation a été discutée largement pendant le premier jour et la première moitié de ce jour, a fragilisé les structures économiques, sociales et politiques des pays en développement, en augmentant les inégalités entre les pays, les territoires et les populations. Les questions qui me semblent pertinentes dans ce contexte de mondialisation libérale sont, on ne peut pas avoir le développement comme ça, mais on peut le planifier. C'est-à-dire, les questions qui se posent, c'est comment mettre en place des politiques publiques lorsqu'on réduit le rôle de l'État. Et on soumet tous les secteurs économiques et sociaux
au mécanisme du marché. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est que comment peut-on concevoir des politiques économiques dans un environnement volatile, instable? Donc, je ne vais pas m'arrêter sur les débats de la mondialisation libérale et la domination de la vision libérale dans la mondialisation. Ça a été largement discuté. Donc, j'avais préparé des choses sur comment on a évolué vers cette vision libérale du monde. Mais je vais quand même m'arrêter sur les manifestations de cette mondialisation au fondement libéral. Je dirais, le premier constat que je peux soulever, c'est la révision du rôle de l'État. Donc, pour des pays où l'État peut encore jouer un rôle pour leur processus de développement. L'intervention de l'État a été réduite dans le secteur économique et social, et pour résorber les déséquilibres macroéconomiques, dans cette vision libérale, l'État ou l'intervention de l'État ne permettait plus une allocation optimale des ressources de production. Et l'État devient le problème au lieu d'être la solution. Donc même on attribuait parfois l'échec des politiques économiques plus au problème de gouvernance qu'à l'aspect libéral de ces politiques libérales, économiques. Deuxième constat, c'est la financiarisation de l'économie mondiale, la domination de l'aspect financier sur les autres aspects économiques. Cela est dû à la libération du capital, la circulation du capital. On a un petit peu éliminé toutes les entraves à la circulation du capital et ça a donné comme conséquence un petit peu la suprématie de l'économie ou des placements financiers sur l'investissement productif et de l'économie spéculative sur l'économie réelle. Cette levée de contrôle sur le mouvement un petit peu à augmenter les interconnexions entre les économies, ce qui a fragilisé un petit peu la situation des pays en développement. L'État ne pourrait plus mettre des politiques à long terme, étant donné que l'environnement économique devient un petit peu instable et volatile. Et on trouve dans le cas des pays de l'Amérique latine et de l'Asie orientale un cas révélateur, significatif. La crise qu'on connaît sur les pays dans la fin des années 90 et des années 2000 était plus attribuée à cette grande libéralisation des capitaux qu'aux politiques économiques adoptées par ces pays. Troisième constat, c'est la fragmentation des processus de production et les délocalisations des processus de production. Donc, la volatilité des capitaux, la libéralisation du capital, lui a permis d'aller chercher les meilleures conditions de rentabilité qu'offre le marché mondial de travail. Une forte dissociation a été ainsi créée entre les zones de création de la valeur ajoutée et les zones d'appropriation de cette valeur ajoutée, ce qui a augmenté le processus d'accumulation du capital chez les riches et d'appauvrissement des pauvres. Le pouvoir elle est devenu dans les mains de nouveaux acteurs qui sont les multinationales qui définissent les processus de production, distribution, répartition des richesses entre les pays, les territoires et aussi les populations. Donc ce sont plus les États qui font cette distribution, ce sont les multinationales. Donc dans cette quête d'attirer ces multinationales, on s'est lancé dans des contraintes de compétitivité et qui ont poussé les pays à faire des concessions sociales et fiscales pour attirer davantage du capital. On privilégiait le capital au détriment du travail en protégeant le premier, en détaxant le premier, le capital, et en déprotégeant le deuxième, qui est le travail. Donc, les rémunérations des facteurs travail sont ainsi comparées au niveau mondial. Et comme ça, on a vu naître une classe ouvrière mondiale. Cette pression sur la protection sociale est d'autant plus aggravée dans les pays en développement qui ne peuvent offrir que leur salaire, le coût de la main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas, vu la structure technologique
et de productivité de leur système de production. Donc, ils poussent à faire des concessions sur les aspects sociaux. D'autant plus que beaucoup d'auteurs notent que ces politiques d'attractivité ne bénéficient que pour les multinationales. Donc, ils ne bénéficient pas pour les pays d'accueil. La qualité même de ces investissements dans les pays en voie de développement sont prédéterminés par les multinationales. Ils sont généralement réalisés dans des secteurs où il y a l'exploitation des ressources naturelles. Même les infrastructures, les investissements qui sont réalisés sont souvent réalisés dans les infrastructures pour exploiter les ressources naturelles, ce qui fait dire à des auteurs que, comme si on souhaite maintenir les pays en développement dans une période, dans une ère pré-industrielle. Quatrième constat, c'est la libéralisation commerciale. Je vais passer rapidement sur la libéralisation commerciale, il a été évoqué par mon collègue tout à l'heure. Donc, ce qu'on voit ici maintenant, c'est que les pays développés un petit peu encouragent les pays en développement à libéraliser leurs échanges commerciaux, alors que l'histoire économique de ces pays développés nous révèle qu'il y avait toujours, ils ont fait leur processus de développement dans un environnement protectionniste pour protéger leurs industries nationales. Même ça a été depuis la naissance de la pensée économique depuis Ricardo qui défendait l'avance de la Grande-Bretagne sur le reste du monde, on discutait l'avantage de s'ouvrir au commerce mondial. Donc cette libéralisation fait beaucoup de pression sur les pays en voie de développement, en plus que les négociations, et on a discuté le matin, les négociations, on n'a pas la capacité d'être présent dans les négociations. Ce sont des négociations qui sont faites entre pays développés. Les pays en voie de développement n'ont pas ni l'expertise ni l'effectif pour un petit peu influencer ces négociations. D'autant plus que ce sont des négociations qui ont porté plus sur les produits qui intéressent les pays développés. On a toujours exclu les produits qui intéressaient les pays en développement, tels que le textile, et l'agro et les produits agricoles. Encore, ces échanges sont faits, s'il y a échange entre pays développés et pays en développement, il y a toujours ce qu'on appelle des échanges interbranches, des échanges croisés qui vous exportez des produits bruts pour importer des produits industrialisés. Ils n'ont jamais porté sur des produits de ce qu'on appelle les échanges intra-branches, dans la même branche, qui on échange des produits similaires qui utilisent les mêmes facteurs de production et qui sont substituables et qui peuvent un petit peu déclencher un processus industriel. Il y a des exemples, il n'y a pas beaucoup d'exemples, il n'y a pas beaucoup d'exemples où il y a un déclenchement d'un processus industriel à partir des investissements directs. La Chine, on sait bien le rôle de l'État et des groupes publics, on exige un transfert de technologie pour les investissements directs qui viennent en Chine. J'arrive pour le Maroc. Donc la modicité des résultats des politiques industrielles menées depuis l'indépendance au niveau de développement d'un tissu industriel compétitif a été un petit peu le résultat des industries qu'on a adoptées. Notamment, ce sont des industries faibles en contenu technologique. Depuis le début des années 2000, on s'est engagé sur d'autres tendances. On avait un petit peu encouragé ce qu'on appelait les nouveaux métiers du monde au Maroc. Et les industries qui ont bénéficié plus de cette politique industrielle, ce sont les industries construction automobile, l'aéronautique, spatiale, électronique et l'offshoring. Je vais m'arrêter sur plus l'industrie qui a bénéficié de cet appui, c'est l'industrie automobile. On avait s'installé au Maroc et avec beaucoup d'encouragement de la part de l'État, du constructeur Renault, à Tanger, avec une capacité de production de 400 000 véhicules par an, et à Kinitra, des constructeurs Peugeot PSA, avec une capacité de 200, et bientôt, ça serait le constructeur chinois
BYD pour les véhicules électriques, l'objectif c'est d'arriver à 1 million de véhicules par an et d'attirer, pour attirer d'autres constructeurs. Toutefois, et malgré cette évolution, donc, le développement de nouvelles industries au Maroc a permis au Maroc de diversifier sa production et de s'ouvrir sur des produits plus technologiques. Toutefois, ses performances au niveau des exportations et de l'emploi n'ont pas eu de conséquences sur le tissu industriel marocain. Le résultat sur le tissu marocain reste très limité. En effet, le développement des nouveaux métiers du Maroc a eu deux résultats différents. Au niveau des exportations, on avait un effet positif et au niveau de l'emploi. Mais au niveau industriel, le résultat reste limité et ne permet pas au Maroc d'aller vers la frontière mondiale et d'être compétitif. Au niveau des exportations, je profite d'une minute de plus, donc juste pour exposer pourquoi on n'a pas eu d'impact sur le tissu industriel, parce que cette évolution des exportations, elle est essentiellement due aux activités de filiales étrangères installées au Maroc. Donc ces filiales juste travaillent dans le cadre de d'un cercle fermé d'importation d'inputs et d'exportation des produits assemblés. Donc le schéma qui se dégage dans cette organisation industrielle, ce sont les maquiladoras mexicains, basés essentiellement sur les activités d'assemblage, sans aucune relation avec le tissu industriel local, sans intégration des entreprises. D'ailleurs, les entreprises locales se trouvent éliminées parce qu'elles ne peuvent pas répondre aux exigences des constructeurs en termes de technologie, d'innovation, de qualité, de délai et de coût. La montée de la filière, lorsqu'on monte de gamme, monte de filière, améliore votre processus d'industrialisation et instaurer un réel processus industriel, certes, ce n'est pas les investissements directs étrangers, mais il faut avoir une structure technologique au niveau de l'innovation. Donc, et exiger un transfert de technologie, comme ça a été le cas pour plusieurs pays. Et le développement industriel, elle est préparée à l'intérieur avant que d'aller chercher à l'extérieur. Merci pour votre attention. Thank you very much. I would like to invite the next speaker, Louis Dominique Como, qui va nous présenter. I'm speaking French. L'altera mondialisation selon Stiglitz. Bien, merci. Comme nous avons la pression du temps, je vais aller droit au but. L'altermondialisation selon Stiglitz. D'abord, pourquoi s'intéresser à Stiglitz? Stiglitz est un économiste américain qui a également été vice-président de la Banque mondiale. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le système et qui est bien placé pour critiquer la mondialisation. C'est pour cela que, étant philosophe, n'étant pas économiste, j'ai voulu réfléchir, partager avec vous sa réflexion sur la mondialisation, en m'appuyant donc sur lui. Alors, on peut aborder la mondialisation sous plusieurs angles, mais ce qui est sûr, c'est que pour bien comprendre la mondialisation, on peut aussi partir du clivage qui a cours en Grande-Bretagne entre la London School of Economy, représentée par Lionel Robbins et plus tard Hayek, et l'Université de Cambridge, avec pour représentant John Maynard Keynes. Alors, la London School of Economy est contre l'intervention de l'État dans l'économie, alors que John Maynard Keynes était plutôt pour une intervention appropriée de l'État. Alors, Stiglitz pense que, pour bien comprendre la mondialisation, il faut savoir que c'est la tendance représentée par les Lionel Robbins et Hayek, qui est donc contre l'intervention de l'État. C'est cette tendance-là qui, en réalité, s'est mondialisée et qu'on appelle aujourd'hui néolibéralisme, en fait, la tendance extrémiste du libéralisme économique. Et cette tendance qui a été adoubée par le consensus de Washington, avec pour représentant l'ancien président américain Ronald Reagan et la première ministre britannique Margaret Thatcher, surnommée Iron Lady,
justement. Alors, c'est cette tendance-là donc, cette mondialisation essentiellement néolibérale, qui est à l'origine des conséquences négatives de la mondialisation. Parmi ces conséquences, on peut évoquer rapidement le fait que la réglementation internationale en matière de commerce est injuste et se caractérise par des droits de douane exorbitants appliqués aux pays du Sud, l'escalade tarifaire sur les produits industriels en provenance du Sud, obstacles non tarifaires, lois anti-dumping arbitrairement appliquées, subventions agricoles, hypocrisie se traduisant par exemple par le fait, par l'imposition des politiques de développement impertinentes dont ne se sont pas servis les pays développés eux-mêmes, l'asymétrie des sanctions économiques, le chantage à l'aide au développement, le fonctionnement antidémocratique des institutions de la gouvernance internationale, le droit de protection de la propriété intellectuelle et le pillage des savoirs traditionnels. En gros, Stiglitz retient 5 griefs contre la mondialisation. Les règles du jeu qui la régissent sont injustes en ce sens qu'elles ne profitent qu'aux pays industriels avancés. La mondialisation porte sur le primat du matérialisme au détriment d'autres valeurs. Elle prive les pays de leur souveraineté et ruine la démocratie. Elle semble être synonyme d'américanisation. On va expliquer un peu rapidement. Alors, cessant des droits de douane. Les droits de douane imposés aux produits en provenance des pays du Sud sont parfois 4 fois supérieurs à ceux que les pays développés s'imposent ou s'appliquent à eux-mêmes. Quand ces droits portent sur les produits transformés, ils varient entre 24 et 65%, ce qui, pour Stiglitz, démontre la volonté du Nord d'empêcher l'industrialisation du Sud. Il y a les abdiques, c'est-à-dire les aspects du droit à la propriété intellectuelle en rapport avec le commerce. Alors, par exemple, le système de brevetage des inventions limite l'accès au savoir et aux technologies. Et ce système de brevetage est absurde parce que les inventions qu'on brevette se nourrissent des savoirs antérieurs qui n'ont pas été brevetés. Mais une fois qu'un savoir a été breveté, on ne peut plus s'appuyer sur lui pour d'autres inventions. Donc, finalement, le brevetage des inventions ralentit la circulation et l'exploitation du savoir indispensable à l'innovation. Alors, ceux qui innovent utilisent les résultats de la recherche fondamentale, qui, elle, n'est pas brevetée. Donc, ces droits enrichissent les innovateurs sans se soucier de ceux qui sont à la base de leur innovation. Deuxième chose, le système de réserve mondiale, par exemple, profite aux États-Unis, nous le savons, qui utilisent ces réserves-là pour financer leur économie, ce qui fait de la société américaine, d'après Stiglitz, une société de consommation fondée sur l'emprunt. S'agissant de la dette, Stiglitz montre que elle fluctue en fonction des fluctuations, si vous voulez aussi, du taux de change. Et ce sont les pays du Sud qui doivent en payer le prix. Et ces pays doivent aussi assumer les mauvaises politiques que leur imposent la Banque mondiale et le FMI, qui ne sont jamais responsables lorsque leur politique échoue. Et l'ajustement structurel crée beaucoup de dégâts au niveau social, beaucoup de dommages, et les pays sous-développés, les pays du Sud, n'ont pas de système de sécurité sociale. Il y a également la subvention de l'agriculture. Les pays riches interdisent aux pays en développement de subventionner leur agriculture et leurs industries, sous prétexte que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Or, nous savons que ces pays développés, à commencer par les États-Unis, soutiennent les agriculteurs et leurs entreprises. La preuve, c'est les subventions massives accordées aux cotonculteurs et l'appui au développement industriel aux États-Unis sous le couvert du budget de la défense. Et l'exemple le plus récent, c'est l'intervention massive de l'État américain lors de la crise des subprimes en 2008. Pour Stiglitz, je vais lire, cette intervention représente le plus grand transfert des richesses de l'histoire en faveur du secteur privé. Ce transfert étale également au grand jour l'hypocrisie des pays développés parce qu'il se déroule dans un pays globalement opposé au socialisme. Cette intervention massive de l'État se déroule dans un pays qui officiellement est opposé au socialisme. Et certains ont ironisé sur ce transfert en parlant d'un socialisme à l'américaine. L'aide au développement qui accroît, qui est assortie de conditionnalité
et qui vise à sauvegarder les intérêts des pays du Nord. Et Stiglitz se demande si c'est un sens, puisqu'on empêche aux, pays, aux produits des, en provenance des pays sous-développés d'accéder au marché du Nord. Et après, on revient pour leur proposer de l'aide. Donc, on a l'impression que le bourreau se déguise en humanitaire. Et il y a le fonctionnement antidémocratique des institutions qui assurent la gouvernance mondiale. Et Stiglitz montre que tout commence avec l'ordre du jour, par exemple, de l'OMC. L'ordre du jour de l'OMC, qui est fixé par le G7, G7 ou G8, ça dépend, et tout échappe aux pays sous-développés. Mais il y a aussi la responsabilité des pays africains eux-mêmes, parce que les échanges entre les pays du Sud sont médiocres. Conclusion donc pour Stiglitz, la mondialisation a consisté pour les pays développés à pousser les pays pauvres à démanteler leurs barrières douanières tout en conservant les leurs, empêchant ainsi les pays en développement d'exporter leurs produits agricoles. À partir de là, donc, Stiglitz peut proposer une autre mondialisation. Il pense que la mondialisation, bien pensée, et si on se débarrasse du consensus de Washington, n'est-ce pas, on peut aboutir à une autre mondialisation qui est porteuse de bonheur partagé, de bonheur pour tous. Et il prend l'exemple des pays de l'Asie orientale. Ces pays ont montré pour Stiglitz que l'inégalité n'est pas la condition préalable à la croissance. Donc, dans ces pays, on n'a pas assisté à l'accumulation primitive. Et c'est intéressant de lire ce que Stiglitz dit à ce sujet. Ces pays asiatiques, excusez. Alors, il dit que ces pays se sont développés, se sont ouverts à la mondialisation par les exportations et non pas en ouvrant totalement, en démantelant totalement les barrières économiques. Ils se sont ouverts à la mondialisation par les exportations. Et l'État est intervenu massivement dans ces pays-là pour investir dans le domaine des infrastructures, dans l'éducation et même parfois dans le domaine économique, par exemple en collectant l'épargne dans les zones rurales et par d'autres moyens. Donc, une autre mondialisation est possible. Il faudrait également se débarrasser du dogmatisme du marché qui laisse croire que le marché en lui-même peut créer la richesse, peut créer le développement, peut combattre les inégalités. Ce n'est pas possible. Donc, il faut des interventions mesurées de l'État, des interventions appropriées de l'État. Et au-delà de ce que Stiglitz propose, moi je dis que il faut dépasser ce que j'appelle l'isophobie, la peur de l'égalité. Parce que le comportement des pays du Nord donne à penser que pour ces pays, un monde de bonheur partagé est impossible. Pour qu'ils se développent, il faudrait qu'ils exploitent les autres pays. Or, il est possible de bâtir un monde de bonheur et de prospérité partagé. Et je pense à ce niveau que la Chine, on l'a dit le matin, nous propose un nouveau paradigme de développement que nous gagnerons vraiment, sur lequel nous gagnerons à réfléchir, parce que ce paradigme-là, me semble qu'il n'est pas fondé sur l'exploitation. Donc, on peut avoir une autre forme de coopération internationale, une autre mondialisation qui profite à tous. Je vous remercie. This afternoon we had four papers presented by colleagues from Morocco, Cameroon, and Senegal, whom I would like to thank for the important points raised. The questions raised by the speakers are from case studies to reflections on theoretical questions, and are related with the debates we had yesterday, particularly with the keynote of Jomo and today's keynote of President Mbeki, where it is clear, and it is a point raised by common in all papers, the discontent of the globalization
and also the question of alternatives for Africa that are concerns of the speakers and the questions raised yesterday and today. Also, the papers presented problems related with the weakening of the states and the power of the agents of the expansion of the capitalism. So let's go straight away to the questions because you have problems with time. Let's start by that side and after that side. Thank you. My name is Leon Kolo. I'm from Cameroon. My question goes to all the speakers. Unfortunately, Professor Jomo is gone. Maybe he could have been a good resources to respond to this question. The time we are living in seems to be a time of confusion or contradiction, because the discourse of free trade actually presently is promoted by or is championed by China, a communist country. The discourse against free trade is promoted by United States. So how can we explain this contradiction today? Are we assisting at the emergence of a post-neoliberal order? If it is the case, what are the main characteristics of this post-neoliberal order? We have mentioned China. Maybe some elements can borrow from China can help us. So what is the current situation of the world? Crisis of globalization, crisis of neoliberalism, or we are entering a post-neoliberal order? Thank you. Thank you. Jonas Mbabazi is my name, from Uganda. We are talking about free trade. We are talking about free trade, and we are talking about opening markets elsewhere where African countries can be able to freely trade. But how much do we trade with each other on the continent? How free as a continent are we able to exchange goods and services across the borders? We have limitations as African countries with regard to crossing the border and being able to exchange labor, goods and services. We have not been able to exploit the existing opportunities on the continent, but we are asking for trade elsewhere. Are we being true to ourselves? Secondly, as African countries, what are we trading? What do we have to offer in the international market? How much are we taking there? How much is our trade volume? And what kind of goods and services are we taking on the international market? Thank you very much, Chairperson. I want to commend all the speakers because your presentations are very interesting, very pertinent ideas. I just have a few questions. I read a lot and on industrialization, on both market-led development and developmental states. And I'm kind of puzzled because, first of all, I think maybe let me comment on the first speaker, where your point was, well, neoliberalism, which is market-oriented, is has been very detrimental, and that's why you advocate developmental state.
How do you reconcile that with the fact that for growth, GDP, we still need growth? Because with low economic growth, there is very limited development you can achieve. To develop infrastructure, you need to allocate resources from your budget, from other, you know, domestic resource mobilization. And that can only happen through growth. But also, I want to ask, in terms of, you were critical of free trade, and I'm also critical, but I want your reaction. Because right now, Africa, the African Union, as you know, there is this initiative, the Africa Free Continental Trade Area. That's free trade. It's actually advocating free trade, removal of tariffs. Is it not likely to yield the same results that we're talking about at global level? So isn't there a contradiction in critiquing free trade at the global level, but accepting and embracing it within the continent? You need to address that issue. The gentleman from Morocco, very interesting. I've read a lot about the Moroccan industrialization initiatives, focusing particularly on the car assembly. I was a bit surprised that you are saying the impact has been very limited, but it's good to hear it from you. But my question is it not so much about the volume, that perhaps the volume has been very, maybe limited? What are the alternatives in terms of industrialization in Morocco? I would like to hear that. But the other question that I also have is, I'm aware of the challenges that we have with globalization as it currently is. But given the deficits that we have in Africa in terms of technology and skills, and we know the countries that are very richly endowed with the technology that we require to go into mineral value chains, agro-processing, granted, some levels of agricultural processing, mineral processing, we can use low technology. But most of it, we will need to have more sophisticated technology, medium to high technology. How are we going to do it if we totally, if we completely argue that we are going to de-link because of the many challenges we have at global level? So for me, in my mind, these are some of the challenges that we really have to address if we are, we have a right to be very critical about the current neoliberal, the global framework. But ironically, it's those countries that have the kind of technology and the skills that we require to go into structural transformation, industrialization in Africa, and push our growth levels up. If you can address that issue. And finally, Chairperson, the last question that I have is on, what is your comment on the South African experience? Because it's one of the few that's relatively more industrialized in Africa, although, I mean, it is still at the lower end compared to Asian countries and the northern countries, but where there's a relatively higher share of manufactured exports, manufactured products, as a ratio of GDP compared to the rest of the continent. Would you be opposed? Because most of that has come about because South Africa is now quite integrated into the global economic system. That's precisely why it suffered during the global financial crisis. They were vulnerable because of this integration. And yet at the same time, these are the factors that help them to achieve the level of industrialization where they are today. So in my mind, really, my biggest puzzle, okay, let me just conclude. I'm very critical, and I've written also about globalization. Tomorrow I'll also present. But at the same time, my biggest challenge is that if you look at the statistics on technology, the skills that you need for mineral processing, value addition, and manufacturing, we are very low. That's why our AU has come up with STISA, which is yet to be implemented. We are very low on that. Now, it seems to me that we still need to engage at global level to access the technology and the skills. So for me, it's more about how best do we negotiate for terms that
if it's possible, win-win conditions for this technology transfer. It hasn't occurred in the past. The global system is very tilted against our favor. But how? It seems to me because of the technology need and the skills, we need to really critically engage on this issue. Thank you. Thank you very much. My name is Nasongo. I'm from Kenya, but I teach comparative politics at Rhodes College in Memphis. Now, in my view, there are three trajectories of globalization. There is the economic trajectory, there is the cultural trajectory, and there is the political trajectory. So far, discussions from yesterday, from Jomo, this morning, President Mbeki, they have focused on the economic trajectory of globalization, which they have ably demonstrated that on the balance sheet, it has been negative for Africa. But if you juxtapose the economic trajectory of globalization and the political trajectory manifested in the promotion for good governance, for democratization, for human rights, for gender empowerment, if you juxtapose the two, the economic trajectory and the political trajectory, is it correct to argue that whereas the economic trajectory has been negative for Africa, the political trajectory has been more positive than negative? Thank you. Merci, madame. Okay. Je suis le Dr. Si Sherif, directeur du Forum du Tiers-Monde, secrétaire général de l'Association sénégalaise des économistes. Je crois que je félicite d'abord les intervenants, mais je voudrais dire d'abord qu'il nous faut vraiment étudier l'origine de cette politique de libéralisation, ensuite qualifier la libéralisation pour ensuite voir ses conséquences sur le continent. La politique de libéralisation a été définie sur instruction du président américain à Robert McNamara, qui était le secrétaire d'État au sorti de la guerre, pour mettre en place le plan Marshall, s'étant entendu que l'Europe, les États-Unis savaient qu'ils s'étaient surtout enrichis et que s'ils sont devenus la seule puissance debout après la guerre, c'était dû au libre-échange avec le continent européen. C'était la condition. Il y a une conditionnalité du plan Marshall dont on ne parle presque jamais. C'était l'extension du libre-échange aux anciennes colonies. En d'autres termes, les Américains demandaient clairement la libéralisation des colonies, c'est-à-dire la cessation de la colonisation et l'intégration de ces États dans le libre-échange. La formule trouvée, c'était l'endettement forcé. Il s'en est suivi le programme d'ajustement structurel et le consensus de Washington. À ce moment-là, les pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun étaient au même niveau que, disons, l'inverse. C'est la Corée et les Dragons qui étaient au même niveau que ces pays-là. Nous connaissons les destructions des programmes d'ajustement structurel. Comment qualifier la politique de libéralisation? Moi, je la qualifie en trois mots. C'était d'abord le décloisonnement des États, des économies, la déréglementation, décloisonnement, c'est-à-dire intégration par la force dans l'économie mondiale en vue du développement de cette politique de libre-échange, la déréglementation, qu'il n'y ait plus d'entrave à la circulation des produits manufacturiers des grandes puissances occidentales, et la désintermédiation. Disqualifier les États du Sud dans leur mission de cautionner, de garantir, etc. La conséquence, encore une fois, c'est 3D pour moi, c'est la décrédibilisation de l'État en voulant faire jouer aux sociétés civiles le rôle que l'État n'a jamais pu jouer, selon eux. Disqualifier l'État, c'est le deuxième D. Et le troisième D, c'est la destruction des États.
La conséquence a été que, prenons en Afrique de l'Ouest la trajectoire des pays les plus puissants, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. De 1960 à 2017, le taux de croissance réel par tête n'a augmenté que de 5 points. Pour la Côte d'Ivoire, à cause des ressources minérales, elle a augmenté de 35 points. Mais ces deux pays n'ont pas multiplié par deux le revenu réel par tête, parce qu'on dit qu'un pays qui s'émancipe, qui s'industrialise, c'est celui qui, en 12 ans, multiplie par deux le PIB par tête. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le processus de destruction qui a été engagé sur l'Afrique et les pays du Sud. Et c'est pour ça que je dis que refusons qu'on fixe la croissance comme horizon indépassable. Qualifier tout par la croissance. La mesure par le revenu réel par tête est plus importante. Et ce revenu réel par tête, il dégringole partout sur tous nos pays. Le Sénégal aujourd'hui, le revenu par tête est quasiment le même qu'il avait en 1960, c'est-à-dire 1 $.30. Et je vais terminer par là, madame. Je crois que rapprofondir, là je m'adresse à Demba, c'est un travail que nous faisons ensemble, notre critique sur le libre-échange. Le libre-échange, nous sommes arrivés en regardant la trajectoire de nos relations à définitivement conclure qu'il est antinomique avec le développement. Soutenir les pays du Sud, notamment les pays africains, c'est s'engager sur une voie que j'appellerai la voie des avantages coopératifs. C'est seulement la coopération sincère qui permet réellement aux pays africains de prendre leur destinée et de construire leur développement. La chute a été tellement importante que, étant au même niveau en 1960, vous prenez la moyenne africaine en matière d'énergie, l'énergie c'est le nerf de la guerre, seulement 3% de l'énergie commerciale distribuée en Afrique va dans le secteur productif. Les pays qui étaient au même niveau que nous, la Corée et les autres, sont aujourd'hui à 75% de l'énergie commerciale distribuée dans le secteur productif. Merci beaucoup. So thank you for the questions. I wanted to address the first question as to whether there's like the confusion or the contradiction regarding free trade, that China becoming this country that is promoting free trade and the U.S. is maybe not at this point with a new president promoting the same thing. I think the difference between the two, I don't want to say it's a confusion, but the difference between the two, I believe, that we also mentioned in the morning, is that for China, in relation to Africa, it is more of a fair trade where we actually have the ability to negotiate the conditions of those. While with the U.S., if you look at the history and their policy, it was more of something that was forced on us, that's something that we negotiated. So I think that's where the main difference comes. Maybe we can qualify it as a contradiction, yes, because of the nature of the Chinese state. But I think if we look at strictly at the trade, I think that's where the two differences come from. In the question regarding also that we needed GDP growth, I think also GDP is a very, very misleading measurement. Some countries, for example, Ghana, even after the structural adjustment program, the GDP did grow. But then what we realized was that there was an issue with the social and the human condition actually decreased. And so using, I think, GDP as a main measurement is a way, again, to distract our attention to the real problem that we face. Now, you also talk about free trade, that we say we shouldn't engage into it with other countries, but the African continent is actually promoting this idea of free trade among us. I think also in one of your comments, you actually answer to that. You said that the global trade is against our favor, which I think so. If we put it into two sides, when we trade with other countries that are away from the African continent, I think that's where we need to emphasize a lot more on not getting into this free trade that they're imposing us. However, now that we have the chance to actually get into trade and promote regional integration, more trade among us, and the connectivity that we're talking about this morning, we can decide to set those standards at home and then see how it's going to work. But we have to be very strict when it comes to trading with others because of the advantage that they have on us and how, again, the global trade is not in favor of ours. Thank you. Alors, merci. Go. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir quel est l'état
des échanges intra-africains. Et l'une des raisons de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, c'est pour pousser les échanges intra-africains. Et d'après, bien sûr, la commission de l'Union africaine, la zone de libre-échange, selon les projections de la commission, devrait porter à 52% le niveau du commerce intra-africain d'ici 2022. Ça, c'était une projection. Et je pense que si cela est vrai, je ne vois pas pourquoi on serait contre cette zone de libre-échange. Libre-échange entre pays africains, à peu près de manière horizontale. Je ne peux pas être contre. Bien sûr, il y aura toujours des pays qui vont en souffrir. Comme on dit, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Mais pour le continent en tant qu'entité, quel est l'impact que cela peut avoir? Quel est l'impact? Si c'est un impact positif pour des millions d'Africains, moi je pense que c'est une très bonne chose. Alors maintenant, pour ce qui est des investissements directs étrangers, on ne dit pas que nous sommes totalement contre les investissements directs étrangers. Mais il faut les choisir de manière sélective. J'ai parlé tout à l'heure des relations sud-sud. Je pense que les relations sud-sud pourront nous apporter beaucoup plus de bénéfices que les relations nord-sud. Le président Mbeki l'a dit ce matin, hier aussi, Jomo a dit comment le système dominant est en train de détruire des économies comme les nôtres. Mais je pense que les relations sud-sud peuvent apporter beaucoup plus de bénéfices à nos pays. Moi, je suis pour la coopération sud-sud. Et je suis partisan des relations entre la Chine et l'Afrique, bien sûr, avec toutes les critiques que je prends à mon compte, bien sûr. Mais je pense que c'est une opportunité pour nous aujourd'hui, dans ce monde globalisé et qui a perdu la plupart de ses repères. Bon, moi je pense que c'est une réalité avec laquelle il faut vivre, c'est tout. Merci. Donc, je vais enchaîner sur ce qui a été dit. Je crois que les questions de développement d'industrialisation suscitent beaucoup de réactions. Je ne vais pas être long, je vais revenir sur l'objectif, c'est de commencer ou d'amorcer un processus d'industrialisation. Et dans ce sens, la coopération sud-sud, ça devrait être une question dans cette rencontre scientifique. Je reviens sur l'apport limité de l'industrie automobile au Maroc. L'objectif du processus d'industrialisation, c'est d'enclencher un processus de diffusion des savoir-faire industriels et organisationnels dans toute la structure industrielle d'un pays. Et on pourrait commencer par des industries cibles. Et ça aurait été le cas de l'industrie automobile. On pourrait exiger que, parce que l'installation des constructeurs, ça a ramené avec elle des équipementiers, ce qu'on appelle des équipementiers fournisseurs de pièces. Et on pourrait exiger qu'il y a une association avec le capital national. Il faut que le capital national entre en coopération avec ces équipementiers. On ne pourrait pas avoir des filiales 100% étrangères qui s'installent, qui fabriquent des pièces pour les constructeurs, qui les assemblent sur des voitures. Il faut associer le capital national et comme ça, il y a une diffusion d'un savoir-faire organisationnel et un savoir-faire industriel. Quelqu'un qui va travailler avec une filière, s'il va sortir pour d'autres secteurs industriels, il va apporter avec lui ce savoir-faire industriel et organisationnel. Et c'était le cas. Comme ça a été le cas de l'industrie textile pour les pays industrialisés. Ils ont commencé leur industrialisation à partir de l'industrie textile, puis la diffusion du savoir-faire industriel dans tous les secteurs. Et également pour les pays, les NPI, les nouveaux pays industrialisés. Ils ont commencé leur processus d'industrialisation
à partir de l'industrie textile qui a un petit peu diffusé le savoir-faire industriel dans d'autres secteurs. Et merci. Bien, merci. Je prends juste une question, celle du collègue kenyan, qui dit que nous avons surtout parlé de la mondialisation sur le plan économique, alors qu'on pouvait aussi en parler sur le plan politique, culturel. C'est vrai. Moi, j'ai choisi délibérément l'aspect économique. Donc, ce que vous dites est vrai. Et vous dites que si on prend la dimension politique, on se rend compte que elle a été positive parce qu'elle a promu la démocratie, les droits de l'homme, etc. Moi, je suis philosophe, je suis sensible à la cohérence, question de cohérence et à la contradiction. Et j'aime les nuances. Alors, je ne sais pas, est-ce que ceux qui exploitent l'Afrique, quand on exploite l'Afrique, quand on nous impose des politiques qui accroissent la pauvreté, alors, et qu'on se présente après avec le visage de défenseur des droits de l'homme et des démocrates, est-ce qu'on est cohérent? Je crois que si on est cohérent, quand on est démocrate, on permet au peuple de décider de leur avenir, de disposer d'eux-mêmes, de choisir leur politique économique. Donc pour moi, les droits de l'homme, la démocratie, ces politiques-là sont, ou ces idéaux sont très souvent instrumentalisés. On ne peut pas exploiter un peuple, lui imposer des politiques. On a suivi le matin ce que le président Thabo Mbeki a dit sur un responsable américain qui croit savoir ce qui est bon pour nous. Et lorsqu'après on revient pour nous servir des leçons de démocratie et des droits de l'homme, est-ce qu'on est cohérent? Donc moi je ne pense pas que ce soit une position cohérente. Merci. Thank you very much to the speakers. I'm so sorry we have to continue our discussion during the coffee break. Thank you very much. Colleagues, please a slightly bigger round of applause. For some of you who are new to CODESTRIA, Professor Teresa Cruz Isiva is a former president of CODESTRIA. Let's take a very quick break. This panel has really been great. It has helped us to catch up on time. Let's take a quick break and we'll come back for the Claude Ake Presidential Lecture by Georgie Chikata, the president of CODESTRIA. And one announcement, please take very good care of the microphones, the earphones you are using for translation. Please don't drop them on the floor. Without them, we won't be able to do our business. So as you leave, please put them on your seat.